Voici les 260 hectares à l'origine du scandale. Un atoll perdu de l'archipel des Tuamotu Gambier, acheté par le territoire en avril 2002, 24 fois plus cher que par son ex-propriétaire Robert Van, 20 ans plus tôt. Le premier responsable du paiement du prix de l'atoll est le ministre des Finances. Lorsqu'il y a une décision d'une telle importance pour acheter un atoll et d'un tel niveau de prix, ces instructions viennent du président. C'est Oscar Temaru, président en 2004, qui porte plainte contre X concernant la vente de cette parcelle de terre. C'est pas possible. On a dû trouver de l'or là-bas ou du pétrole. Un bien estimé au départ à 150 millions par la Commission des évaluations immobilières. Un prix revu à la hausse 8 jours plus tard par l'agence Bontemps, dont le gérant a reconnu avoir gonflé le prix à hauteur de 763 millions de francs pacifiques. Selon l'accusation, Gaston Flosse aurait privilégié ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. L'atoll sera finalement acheté 850 millions. Le gouvernement a toujours affirmé qu'il avait fait vite pour couper l'herbe sous le pied à des acheteurs japonais qui se portaient acquéreurs. Dans cette affaire, Gaston Flosse et Robert Van encourent 10 et 5 ans de prison ferme. Le président du pays risque surtout d'être inéligible 12 ans après l'achat polémique d'un atoll privé. Un cabinet indépendant avait pourtant bien estimé la valeur du bien à 750 millions début 2002.